J'espère que vous êtes à l'aise. L'endroit est un peu... spartiate, je sais. Où sont les autres? Sont-ils saufs? Saufs? Non. Je ne qualifierai aucun d'eux de... saufs. Toutes vos manigances et vos jeux me fatiguent. Oh, vraiment? Fini les secrets et les mensonges. Vous allez nous servir d'armes pour atteindre nos buts. Je refuse de devenir un instrument de mort. Alors vous préférez la vie? C'est donc ça. Cette flamme si fugace. Chaque cruelle seconde passée à repousser l'inéluctable est une guerre sans fin qui, comme pour tous les Vryn qui vous ont précédé, aura raison de vous. Il n'y a rien de juste. Vous savez que c'est vrai. Ni la vie, ni la mort. C'est pourquoi nous allons mettre fin à tout cela. Et qu'espérez-vous accomplir? La souffrance est universelle, Sylvanas. Mais tout détruire ne fera pas disparaître la douleur. Ah, vous vous méprenez. Nous cherchons à abattre un système imparfait par nature, et à le remplacer par un ordre juste. Oseriez-vous me faire croire que depuis tout ce temps, vous luttiez pour la justice? Ah, comment pourrais-je vous convaincre? De notre naissance à notre dernier souffle, toutes nos décisions sont prédéterminées. Puis, dans l'au-delà, on décide pour nous à quelle éternité nous serons voués. Nous ne pouvons même pas choisir qui. Nous n'avons d'emprise sur rien. Mais grâce au geôlier, le contrôle de notre destin sera enfin entre nos mains. Regardez autour de vous! Voyez votre nouvel allié. Comment être sûr que vous n'êtes pas qu'un pantin servant ses seuls intérêts? Un choix se présente à vous. Rejoignez-nous de votre plein gré. Ou devenez esclave. Vous ne croyez donc pas au libre arbitre, Sylvanas? Le libre arbitre n'a jamais existé, jeune lion. Mais les choses vont bientôt changer. Sir Denatrius a été fait prisonnier. Comment comptez-vous le libérer? Chaque homme est doté d'une mission. Denatrius a rempli la sienne. Nous devons forger notre prochaine arme. Il n'est pas prêt. Alors... il nous faut adopter une approche plus directe. Quoi ça? Nous ne pouvons nous permettre de faiblir maintenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah, voilà, elle est de retour. Vous savez, vos discours interminables n'ont pas suffi à vous convaincre. Quoi qu'il en soit, le sujet est clos. D'une façon ou d'une autre, nous parviendrons à nos fins. Je vous le demande donc, une dernière fois. Rejoignez notre cause, ou devenez esclave. Vous parlez d'un choix. Pourquoi m'offrez-vous? Vous n'avez pas eu cette chance. Malgré toutes vos ambitions, une part de votre mortalité vous hante encore. Comme si la reine Banshee n'avait pas totalement éclipsé le général des forestiers. Taisez-vous. Je comprends pourquoi vous m'avez fait venir ici. Pourquoi vous avez tout fait pour me convaincre. En parvenant à me faire perdre espoir, vous pourrez en faire de même. Assez! Soumettez-vous. Vous ne faites... que vous compliquez.
la vie. Je ne suis pas de cet avis. En cet instant, c'est vous qui détenez le pouvoir. Mais qu'en ferez-vous? Je ne peux pas me permettre de faiblir maintenant. Alors, pourquoi hésiter? Décidez-vous, Sylvanas Courcevent. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler eh bien, de ces petites cinématiques que l'on vient de passer et on va rappeler un petit peu de contexte avec tout simplement... Il y a eu plusieurs cinématiques que je n'ai pas forcément mises qui précèdent tout simplement les deux cinématiques que je vous ai passées. La première vision était tout simplement, la première conversation était celle entre Anduin et Sylvanas lors du prologue en fait, quand on commence à l'antre, et c'était une petite discussion que notre joueur a interceptée. Il y a 2-3 conversations qui sont généralement quand le joueur va dans l'antre, mais globalement déjà dans le contexte, les visions que vous avez vues, les cinématiques que vous avez vues, ce sont des visions de Bolvar, l'ex-roi Lich, qui grâce à son lien, sa connexion avec l'antre et sa connexion avec le casque arrive avoir des bribes justement d'informations dans l'antre. Alors c'est plutôt intéressant pour nous expliquer pourquoi on peut voir ces choses-là. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt du gameplay à la base mais qui a été plutôt bien rattaché dans l'histoire. Donc c'est Bolvar qui a son utilité ici pour montrer justement en fait ce qui se passe dans l'antre. Et il y a eu pas mal de conversations. Rappelons un petit peu aussi, vous avez les vidéos sur Battle for Azeroth bien sûr, mais Anduin et Sylvanas, ça fait un moment qu'ils échangent ensemble, ils ont commencé à Battle for Azeroth lors de nombreuses reprises, déjà lors des runs aussi, encore une fois on va y reparler, mais les liens avec d'anciens rois Lich. Et du coup, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu aussi cette première discussion entre Anduin et Sylvanas, où justement Anduin se faisait capturer, se faisait kidnapper, ainsi bien sûr que Thrall, Jaina et Bane, et donc eh bien, Sylvanas attendait quelque chose d'Anduin, puisque le geôlier, lors de la première incursion dans l'antre, avait remarqué, à ce moment-là, on ne savait pas trop, vous savez, c'est quand le joueur va activer la pierre qui lui permet de se téléporter et de s'échapper de l'antre, ce qui explique qu'il soit, j'ai oublié le titre, c'est le marcheur de l'antre, justement le fait qu'il soit le premier vraiment à réussir à sortir de l'antre, et derrière grâce à lui, grâce au joueur, tout le monde va pouvoir sortir de l'antre, mais à ce moment-là c'est le seul qui a réussi à activer la pierre des fondateurs, et Anduin avait essayé de retenir un maximum les armées du geôlier, ce qui va impressionner le geôlier. À ce moment-là, on ne savait pas si c'était le joueur ou Anduin. J'avais prié très très fort pour que ce soit bien Anduin. Et on nous le confirme, c'est bien Anduin que le geôlier a repéré et s'est dit qu'il y avait quelque chose de très fort en lui. Alors, on ne sait pas exactement encore ce qui vraiment... On ne connaît pas encore tous les plans, bien sûr, pourquoi le geôlier tient tant à Anduin. Est-ce que... Alors, certains évoquent le fait que, bien sûr, c'est la lumière, parce que on a pas mal biberonné la lumière depuis le début de World of Warcraft. Ce qui serait intéressant, ce serait plutôt de dire que c'est sa force de volonté, sa foi aveugle en une cause, parce qu'Anduin, ça a toujours été un grand idéaliste depuis tout petit. Quelqu'un qui, lorsqu'il croit en une cause, est capable de tout faire pour pouvoir arriver à son but. Et donc, eh bien, c'est peut-être, sachant que on sait qu'il faut un peu le libre arbitre, enfin, on nous indique un petit peu que Anduin, si jamais il croit en la cause, il est capable de faire des trucs de folie. Ça, c'est une conversation que j'ai pas mise, mais justement, le joueur qui rentre dans l'antre et qui voit une conversation entre le geôlier et Sylvanas, où Sylvanas explique au geôlier que justement, il n'est pas encore prêt à Anduin et qu'il faudrait qu'il arrive volontairement à s'impliquer dans la cause de Sylvanas et du geôlier, même si on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce pacte. C'est vrai que ce qui serait donc visiblement Anduin, si jamais il croit en cette chose, eh bien, enfin en ses croyances tout simplement, s'il croit en lui, il croit en la, s'il a foi en la cause, eh bien il pourrait dégager probablement quelque chose d'une puissance incroyable, peut-être activer... Si jamais vous avez vu la cinématique aussi sur le Runeum Ancien, vous savez que visiblement le geôlier, on connaît pas grand chose du geôlier pour le moment, mais c'est vrai que le geôlier, il y a clairement une recherche, il veut se libérer, et on sait qu'il veut probablement, on nous a parlé de Frostmonde comme un moyen, une clé pour avoir accès, alors à du savoir, des armes, on sait pas trop, mais activer quelque chose relatif au fondateur. Est-ce que justement Anduin pourrait être un des outils lui permettant d'arriver à ses fins?
On verra, en tout cas, c'est vrai qu'on, pour le moment, on se concentre vraiment sur Sylvanas Anduin. Je pense que le geôlier sera développé plus tard, parce que vraiment, pour le moment, le geôlier, c'est un méchant lambda, on va pas se mentir. Mais clairement, donc maintenant que j'ai donné un petit peu le contexte, on va arriver, donc on va revenir sur cette cinématique, et il y a pas mal de choses à dire. Moi déjà, pour commencer, je suis très content, enfin, je suis très content, si vous avez regardé mes vidéos sur Sylvanas précédentes, hein, que ce soit les débunkages sur Sylve, les autres vidéos sur Sylvanas, que ce soit sur la 8.2.5 et autres, Sylvanas, on sent encore une fois que dans ces cinématiques, il y a l'esprit de Sylvanas Warcraft 3. Le libre arbitre, le fait qu'elle n'ait pas eu le choix, etc. Le fait que rien n'est juste, pourquoi sommes-nous esclaves de cette malédiction, tout ça. On sent vraiment la patte Warcraft 3. On sent qu'ils ont révisé, hein, ils se sont replongés la tête dans Warcraft 3. Parce que c'est toujours les thématiques liées à Sylvanas, avec une Sylvanas qui certes fait des choses horribles, mais qui a toujours un plan, a toujours un but derrière. Et qui généralement est de se libérer de ses tourments et de cette malédiction qui est la mort, enfin qui est la non-mort. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Alors petit point, bien sûr, on va revenir sur Anduin qui est toujours enchaîné, les chaînes qui a toujours été un des spells de Sylvanas, en tout cas dans WoW, pas dans Warcraft 3 pour le coup, mais dans WoW. Qui maintenant sont liés aussi au geôlier. On a, alors ce qui est intéressant, c'est que Sylvanas a le pouvoir de contrôler les chaînes, comme dans Wotelka, mais le cercle semble être plutôt directement lié au geôlier. Ça, on s'en fout un peu, vous allez me dire, mais c'est vraiment c'est toujours assez intéressant. Bon, Sylvanas qui nous fait une belle entrée en matière. Alors moi, personnellement, bon, c'est juste l'AVF, c'est du détail, mais l'endroit un peu spartiate, ça m'a un peu fait bizarre. Ça fait bizarre de parler de Sparte, alors que bah, non, Sparte n'existe pas dans ce monde, donc l'adjectif est peut-être mal trouvé, mais bon, c'est pas très grave. Alors, du coup, Anduin qui s'inquiète bien sûr des autres, parce que Anduin il a le cœur sur la main. Alors, je tiens aussi à rappeler quand même dans le contexte, je suis même en train de lire Shadow Rising, je ferai probablement une vidéo sur Shadow Rising, qui est le bouquin qui sert d'introduction à Shadowlands. Anduin devient de plus en plus, je dirais pas noir, mais en fait, Anduin, petit à petit... Déjà, Varian avait fait un gros boulot, son père avait fait un gros boulot pour essayer de lui montrer que la vie, certes, un idéal, c'est quelque chose de très important, une noble cause, c'est toujours très important, mais parfois, pour y arriver, il faut se salir les mains, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et Varian avait réussi à montrer ce côté pragmatique à Anduin, et en fait, Anduin a donné un côté idéaliste à Varian, et Varian a donné un côté pragmatique à Anduin. Lui montrer que bah, tout n'est pas joli dans ce monde et que parfois il faut y aller, il faut être pragmatique. Et c'est vrai que Anduin dans Shadow Rising, on voit aussi que la guerre, notamment Battle for Azeroth, donc la quatrième guerre, l'a pas mal impacté, il a envoyé des gens à la mort, etc. Et ça le hante, ça lui fait mal. Alors certes, il reste toujours idéaliste, mais on sent que petit à petit, Anduin... Vrille non, Vrille, le nom de famille. Mais Anduin commence à avoir, on va dire, le poids de ses actions, le poids de ses décisions politiques sur les épaules, ça lui pèse sur sa conscience. Et on va y venir, mais cette cinématique, il y a quelque chose qui commence à me faire... Alors, évidemment, on dégage, il y a énormément, bien sûr, de liens entre Sylvanas, Anduin, Arthas. Il y a énormément de... que ce soit des plans visuels, que ce soit des thématiques qui sont évidemment liées à Warcraft 3 et Sylvanas avec sa propre intrigue, mais aussi dans la manière de se comporter. Je rappelle que Sylvanas, depuis Warcraft 3, elle est souvent comparée, que c'était Kel'Thuzad qui en parlait, c'était également... Enfin, une vidéo bientôt d'ailleurs sur Kel'Thuzad. Kel'Thuzad qui en parlait, mais il y avait aussi Varimatras qui en parlait, en disant que Sylvanas, au final, ressemblait énormément à Arthas, et que du coup, ce qu'elle faisait, Garrosh l'avait rappelé aussi à Cataclysme, que du coup, bah, Sylvanas, qu'est-ce qui la différencie d'Arthas, c'est que énormément de ses choix, énormément de ses prises de décision sont assez calquées sur ce qu'a pu faire Arthas, malgré elle, elle devient un petit peu la personne qu'elle a toujours détestée. Donc Anduin lui rappelle également un peu ce genre de choses, sans forcément évoquer Arthas. Mais c'est vrai que la plupart des gens, Anduin, un humain, un prince humain qui est devenu roi maintenant, blond, aux yeux bleus, alors Arthas n'a pas les yeux bleus, je rappelle, il a les yeux verts, mais il y a souvent ce côté-là, à tel point qu'il y a des théories à la con, comme quoi ce serait le fils d'Arthas. Non, Anduin n'est pas le fils d'Arthas, hein. Il n'y a pas du tout de doute, il n'est pas le fils d'Arthas. Mais c'est vrai qu'il y a cette thématique-là où en fait le spectre d'Arthas flotte parfois autour d'Anduin dans le rôle du... C'est presque comme si Arthas, paladin... humain, se revoyait dans le Arthas d'Eka, c'est presque une discussion. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas Arthas, c'est Anduin et Sylvanas, bien sûr. Mais de toute façon, moi je pense qu'Arthas reviendra dans l'extension, ça c'est certain pour moi, hein, si vous suivez les vidéos, vous le savez. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, on a cette discussion. Sauf. Où justement, Anduin s'inquiète encore une fois de ses coéquipiers, hein, donc Thrall, Jaina et Bane.
Et bah, Sylvanas lui dit, bah non, ils sont dans l'antre, hein. Évidemment, c'est pas du tout sauf. Et Anduin, voilà, dit qu'il commence à être là. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'Anduin a un traitement quand même plus sympathique que Jaina et Thrall. Hein. Je vous ai pas mis l'autre cinématique, je la mettrai dans les descriptions, dans la description, mais Thrall et Jaina, eux, se font pas mal torturer. Hein. C'est aussi pour ça que bah, ça fait lien à cette cinématique. Du coup, fini les secrets, Sylvanas va lui donner un peu plus de vision sur son plan, même si, honnêtement, on connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais voilà, vous allez nous servir d'armes pour atteindre nos buts, donc c'est clairement l'idée de que c'est bien Anduin qui intéressait le geôlier Sylvanas, et du coup, bah, forcément, Anduin dit « je refuse de devenir un instrument de mort ». Alors vous préférez la vie, c'est donc ça. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a la bataille entre la vie et la mort, évidemment, un mort-vivant face à un prêtre humain qui a toujours voulu sauver le plus de vie possible. Et justement, bah, Sylvanas lui rappelle, alors elle essaye, Sylvanas essaye vraiment de corrompre Arthas, spoiler, c'est lapsus, pardon, elle essaye vraiment de corrompre Anduin et de le faire passer du côté obscur. Mais voilà, elle lui rappelle que c'est une guerre sans fin, etc. Ça, ça a un coup un petit peu sous la ceinture, mais elle lui rappelle que tous les Vryn sont morts à cause de leur idéal. Donc là, ça fait clairement référence à Warcraft 1 avec le roi Lane qui meurt assassiné par Garona. Et ensuite, bien sûr, Varian Vryn qui meurt à Légion des mains de la Légion Ardente de Gul'dan. Donc c'est assez bien sûr, hein, c'est assez pernicieux de la part de Sylvanas, hein, c'est du classique Sylvanas. Et là c'est important, il n'y a rien de juste, en plus j'aime beaucoup la cinématique française, le doublage français est très très bon ici, il n'y a rien de juste, ça c'est quelque chose qui est très propre à Sylvanas. Sylvanas n'a jamais été une personne d'honneur, elle a toujours essayé de comploter, essayé de saper dans le dos, etc., pour arriver à ses fins. Donc elle rappelle à Anduin que la vie n'est pas juste. Rien n'est juste dans la vie, et elle-même, bah, en est une victime de cette injustice. Elle est morte en défendant son royaume. Son royaume a été détruit, ceux qui l'aimaient lui ont tourné le dos ou sont morts, donc rien n'est juste. Et ça, c'est un truc qui correspond énormément à Sylvanas depuis le début. C'est vraiment genre, nous sommes esclaves de cette malédiction, de ces tourments, etc. Qu'y a-t-il de bien dans cette malédiction? Enfin, c'est vraiment ça. Alors, vous savez que c'est vrai, ni la vie ni la mort. Alors, là, le vous savez que c'est vrai, pour moi, fait un peu écho à Shadow Rising, et le début, bah, bien sûr, de Shadowlands, en mode, tu sais très bien que tu as envoyé plein de gens à la mort, etc., à cause de ça, bah, tu sais que tu as leurs âmes sur la, enfin, le poids de leur mort sur la conscience. Et justement, elle explique que justement, elle fait pas tout ça pour rien, c'est ce que on évoque depuis très longtemps, mais elle fait pas tout cela pour rien, elle a toujours voulu se libérer de ce qui l'entrave, de ses entraves. Et du coup, elle lui dit, c'est pour ça que nous allons mettre fin à tout ça. Le geôlier et elle vont mettre fin à tout ça. Alors ça, c'est intéressant, parce que Sylvanas s'est toujours demandé, est-ce qu'elle se sert du geôlier? Est-ce qu'elle croit vraiment la cause du geôlier? On ne sait pas encore exactement, encore une fois, je le redis, mais on ne sait pas encore tout ce qui concerne le geôlier, tous les plans du geôlier. Mais est-ce qu'elle se sert du geôlier ou est-ce qu'elle croit vraiment au geôlier? Là, pour le coup, les cinématiques ne nous répondent pas encore à ces problématiques. En tout cas, donc Anduin, c'est vrai que c'est un peu la réaction du joueur, donc ça c'est assez bien travaillé au niveau de la construction de personnages et de la discussion. Tout détruire ne fera pas disparaître la douleur, hein, puisqu'elle dit justement que voilà, quelle joie y a-t-il, encore une fois, hein, quelle joie y a-t-il dans cette malédiction, tout ça. Nous cherchons à battre un système imparfait par nature, ça c'est vraiment intéressant. Et à le remplacer par un ordre juste. Donc là, voilà, c'est le moment où on se dit, bon, Sylvanas qui fait ça au final pour le bien, non, ça marche pas, c'est pas possible. Et Anduin, là-dessus, se fout de sa tronche, et honnêtement, la remarque est très très propre, parce que n'importe quel joueur, voilà, doit avoir cette réaction-là, à part le réel Sylvanas, mais normalement, tout le monde doit avoir cette réaction-là. Non mais attends, tu te fous de notre gueule, est-ce que t'aurais pas fait ça depuis tout le début pour la justice? Arrête tes conneries, arrête ton char, Sylvanas. Oseriez-vous me faire croire que depuis tout ce temps, vous luttiez pour la justice. Ah. Mais au final, Sylvanas lui dit, mais justement, le truc, c'est qu'en fait, le monde, la justice n'existe pas. Donc, pour une fois, on va essayer de faire en sorte que cela se mette en place. Alors, elle va le redire, voilà, depuis notre naissance à notre dernier souffle, toutes nos décisions sont prédéterminées. Donc là, elle évoque le fait que, bah, elle a soit le poids de la famille, puisqu'elle était une windrunner, donc une course-vent, donc elle était quasiment prédestinée à devenir une forestière. En devenant une forestière, bah, elle était obligée de respecter son devoir et de protéger les frontières, et en cas de défaite, bah, elle est en première ligne et elle se fait détruire. Ensuite, ramenée en tant que mort-vivant, bah, là, elle est directement esclave de la volonté du nécromancien, en l'occurrence le roi Lich, Arthas, et surtout le roi Lich de l'époque, Ner'zhul. Donc,
elle est esclave de ça, donc en gros elle considère que même quand le roi Lich meurt, enfin même quand le Arthas qui a fusionné avec le roi Lich Awotelka meurt, eh bien malgré tout elle reste esclave de ça, et si jamais elle meurt, eh bien elle est condamnée au tourment de l'antre. Donc au final, pour elle, et c'est vrai, toute sa vie, que ce soit sa vie ou sa non-vie, a été bloquée, a été prédéterminée. Donc on peut comprendre pourquoi Sylvanas voit le monde de cette couleur, très gris, en tant que mort-vivant. Mais du coup voilà, puis dans l'au-delà, on décide pour nous à quelle éternité nous serons voués. On peut même pas choisir, on n'a pas le choix. Donc on considère vraiment que voilà, que soit la vie ou la mort, il n'y a aucune, y a aucune échappatoire. Et là c'est vachement intéressant et j'ai pas vraiment de réponse à ça. Choisir qui ? Nous ne pouvons même pas choisir qui. Et elle s'arrête. Donc ça c'est intéressant parce que c'est comme si elle se découvrait trop. Parfois ça arrive quand Sylvanas fait des grandes tirades, elle parle beaucoup, elle se livre un petit peu et elle aime pas ça. Sylvanas, elle n'aime pas exposer ses faiblesses. Sylvanas, elle déteste ça. Et du coup je sais pas trop si elle parle de quelqu'un qu'elle aime. Est-ce qu'on parle de son frère? Est-ce qu'on parle de Nathanos? Est-ce qu'on parle de... J'avoue que là-dessus c'est très très délicat de savoir. Pour le moment on aura peut-être une réponse plus tard dans d'autres patchs, mais on sent que c'est le moment un peu mélodramatique de Sylvanas où elle se rappelle, et là ça fait aussi énormément écho à l'orée de la nuit, la petite nouvelle, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs, mais la nouvelle de Cataclysme qui préparait les nouveaux arcs des réprouvés et autres, qui faisait la transition entre Wotelka où elle n'avait pas vraiment eu d'arc, avec justement Cataclysme, et au final on a Sylvanas qui justement avait des bribes, des mémoires un petit peu très très flash, des petits flashs de ce qu'elle avait pu voir lorsqu'elle avait été tuée, elle était passée dans les terres d'ombre, et finalement on l'a ramenée en tant que mort-vivante, en tant que Banshee, et du coup elle se rappelle qu'elle avait été dans un endroit chaleureux, etc. Donc est-ce que ça fait écho justement à ce moment-là, à sa famille aussi, à ses souvenirs de vivante qui reste présent, même si ça reste fugace pour elle. Donc c'est assez intéressant. Rien. Voilà, nous n'avons d'emprise sur rien. Et ça, c'est vrai que ça a souvent été le cas sur Sylvanas. Malgré qu'elle se soit libérée du contrôle du roi Lich, elle a été bloquée. Il y avait la menace des partisans du roi Lich, la menace de la Légion Ardente, enfin des morts-vivants de la Légion Ardente. Donc c'est vrai qu'elle a toujours été sur le pied de guerre, elle a toujours été au bord du précipice, Sylvanas. Donc nous n'avons d'emprise sur rien, c'est tout à fait compréhensible. Encore une fois, la vidéo de Debunkage sur Sylvanas, si vous voulez, une grande rétrospective. Donc voilà, notre destin, le contrôle de notre destin, donc en gros si le geôlier se libère et devient la puissance suprême, eh bien le contrôle de notre destin, donc on sent qu'il veut rechanger un petit peu le fonctionnement des terres d'ombre, le geôlier, pour, on sait pas trop exactement, parce que c'est vrai que sur le papier le geôlier, le discours nous donne l'impression que le geôlier c'est un mec génial, on y reviendra juste après avec la deuxième cinématique, le geôlier il en a rien à foutre de ses alliés, hein, donc... Pour le moment, le geôlier, c'est vraiment un méchant unilatéral, vraiment un grand méchant de série B, donc on verra. Mais c'est vrai que voilà, notre destin sera enfin entre nos mains. Anduin essaie de lui dire, mais regardez le monde autour de vous, genre, ça a l'air si noble dans vos paroles, mais regardez ce que vous faites, c'est une catastrophe, vous avez tué des... Enfin, il y a plein de gens qui souffrent à cause de vous, des millions de gens qui souffrent à cause de vous, et qu'est-ce qui me fait dire, voilà, ça c'est intéressant, il remet en cause aussi le fait que Sylvanas ne soit peut-être qu'un pion dans le plan du geôlier. Et là, c'est intéressant, parce que au final, Sylvanas va dire, justement, donc encore une fois, elle lui dit le choix, hein, rejoignez-nous de votre plein gré ou devenez esclave. Et derrière, elle dit le libre-arbitre n'a jamais existé, encore une fois, jeune lion, donc ça c'est toujours le petit pic qu'elle lui envoie tout le temps. Mais les choses vont bientôt changer. Et ça, c'est très très lourd de sens. Soit les choses vont changer parce que le plan du geôlier va permettre, bah, justement, de faire en sorte que... On va arrêter avec l'antre, etc. On va libérer Sylvanas. Parce que Sylvanas, encore une fois, bah, s'il lui arrive quelque chose, c'est l'antre et ça va très mal se passer pour elle. Alors vous allez me dire, pour le moment, elle est favorable avec l'antre. Elle sait qu'elle va souffrir. Elle sait que tout le monde va souffrir forcément, mais surtout elle. Donc, parce que même s'il y a un fond assez... il peut y avoir un fond un peu noble pour Sylvanas, mais c'est toujours d'abord elle. Hein. C'est toujours ma gueule en premier, Sylvanas. C'est juste que si moi, mon propre bien peut permettre aussi qu'il y ait le bien des autres, pourquoi pas? Mais à l'avant tout, c'est quelqu'un... profondément égoïste, Sylvanas, c'est avant tout pour elle. Si ça peut aussi bénéficier à d'autres, pourquoi pas, mais c'est d'abord pour elle. Donc faut pas oublier qu'elle a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, Sylvanas. Donc, les choses vont bientôt changer. Moi, ça me donne l'impression que, justement, peut-être elle va vouloir aussi... En fait, une partie du plan du geôlier lui correspond, mais pas tout le reste. Donc, peut-être qu'elle va faire en sorte
que le geôlier réussisse ses premières étapes, et ensuite elle le trahit, elle déglingue et elle reprend le contrôle sur sa destinée, sur sa vie. Parce que c'est quand même très bizarre de parler de libre arbitre et de parler d'avoir enfin les mains non liées, alors qu'elle est pour le moment un sbire du geôlier. Donc c'est vraiment... ça sent la trahison. Et en plus, bon, Sylvanas qui se trahit, waouh, spoiler, ça serait surprenant. En tout cas, on va attaquer surtout la cinématique qui a fait le plus parler, celle-ci. Sur le choix, alors la cinématique, on ne l'a pas vraiment en français, j'ai attendu de l'avoir en français, c'est une version capturée, c'est pour ça qu'il y a parfois des petits sons, mais je préférais l'attendre pour que ce soit plus clair. Il y a juste un truc un peu dommageable en français par rapport à la version anglaise, c'est qu'en anglais, vous avez un pronom qui sert pour parler d'une chose, ce qui n'est pas le cas en français. En français, il y a féminin, masculin, si jamais c'est une table, on dit « elle », enfin « cette table, elle est belle, cette table ». Alors qu'en anglais, il y a « he », il y a « she » et il y a « it ». It, c'est pour parler d'une chose. Et en l'occurrence, en anglais, ce qui est assez intéressant, c'est que Sylvanas dit he pour Anduin, pour parler d'Anduin, donc elle le considère comme un être humain masculin. Et à l'inverse, le geôlier parle d'Anduin en tant que it, donc en tant que chose. Et ça, c'est assez intéressant, parce que si un jour on nous avait dit que Sylvanas, elle allait avoir plus de considération pour la vie que... quelqu'un d'autre, on se serait un peu étonné, mais c'est là aussi on voit encore une fois que le geôlier c'est juste un méchant pour le moment, vraiment unilatéral. Encore une fois, pour le moment c'est surtout Sylvanas qu'on explore, je pense qu'on explorera le geôlier plus tard. Pour le moment on nous montre juste que c'est vraiment le gros méchant qu'il va falloir tabasser. Mais donc, ça c'est intéressant, c'est qu'il y a le rappel justement, pour le libérer. Il y a aussi le rappel comme quoi Denatrius, donc ça c'est une cinématique qui se passe après le raid de Natria. Denatrius a perdu lors du raid de Natria, du château de Natria. Sylvanas dit, bon bah est-ce qu'on va sauver Denatrius, votre allié, hein, un éternel. Et le geôlier dit, on s'en fout, il a fait sa part. En gros c'est ça, c'est sa part, parce que je rappelle que Denatrius n'est pas mort, il est enfermé dans son épée, Remoria, et du coup... Remoria ou Remorna, je ne sais plus, mais je crois que c'est Remoria. Et du coup, eh bien, il pourrait être libéré, mais le geôlier fait, bon, on s'en fout, de toute façon, il a fait son œuvre. Il nous a filé l'anima qui va nous permettre de potentiellement de se libérer et autre chose, et d'autres plans. Donc, ça nous montre aussi qu'il en a... C'est vraiment le méchant des années 80 qu'on a rien à foutre de ses alliés. Du coup... Voilà, il a accompli sa mission, blablabla. Et maintenant, focalisons-nous sur notre nouvelle arme. Et quand il parle de nouvelle arme, il parle d'Anduin. Et là, à ce moment-là, c'est assez intéressant. Parce que beaucoup se sont dit, mais attendez, il y a une forge. Et on sait que, si vous avez vu les vidéos sur le runome ancien, vous savez que le geôlier se sert du runome ancien pour forger ses armes. Or là, c'est pas le runome ancien qui forge une arme. C'est un mec de l'antre lambda. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ouvre un portail avec... une sorte de cœur. Parce que ce fragment, on ne sait pas encore exactement ce que c'est, donc on va rester un petit peu dans la théorie, mais cette espèce de pierre, de gemme, de fragment, il la récupère de l'antre. Enfin, de l'antre, pardon. Il le récupère d'un portail qui est dans l'antre, très probablement. Et justement, le runomancien n'est pas là pour la forge, bien sûr, de la chalamourne, comme les fans l'appellent, la chalamaine, donc l'épée de Varian, que Varian avait récupérée, qu'il a léguée à son fils, et d'ailleurs qui a fait, on le rappelle, hein, dans BFA, la petite cicatrice sur Sylvanas, hein, c'était Sorfang qui l'avait utilisée. Et du coup, l'écho à Arta, je pense que vous l'avez vu avec cette chalamaine mort-vivante, on va dire. Et c'est vrai que ça rappelle un petit peu, j'ai envie de dire, ce fragment rappelle énormément Ashbringer, une épée aussi qui a beaucoup fait plaisir à la communauté, porte-cendre, où vous avez cette espèce de relique, ce petit cercle qui, on ne sait même pas encore exactement toutes ses origines, mais il y a une origine Naru, etc., qui justement avait été corrompue par la suite et qui avait permis de corrompre une épée. Au départ, ce truc-là avait été purifié, qui avait permis d'avoir une épée de paladin. Finalement, c'est notamment Kel'Thuzad qui l'avait corrompu, et du coup, on avait la Ashbringer Alexandros Mograine avait utilisé en version corrompue. Finalement, son fils Darion s'était sacrifié pour libérer son père, et finalement, Tyrion avait récupéré l'épée et l'avait sanctifiée. Du coup, elle était redevenue une épée de lumière. Et là, on a un peu ce côté-là avec Chalamet qui est devenue une épée de lumière entre les mains d'Anduin. Et là, on va lui mettre un fragment qui vient de l'antre, et du coup, eh bien, l'épée va avoir justement ce pouvoir de l'antre. Donc ma théorie, ce serait que ce cristal là ait été façonné par le runomancien, justement, parce que sinon ça serait bizarre. En fait, le runomancien, le geôlier, on sait qu'il en a besoin pour forger ses armes, et là on voit pas le runomancien forger l'arme. Donc à mon avis, c'est surtout la relique
puisque le gros œuvre en gros est fait par des sous-fifres. Par contre, la pièce maîtresse, donc ce cristal, lui aurait été fait par le runomancien. Pour moi, c'est ça. En tout cas, on voit justement donc l'épée. Au départ, elle est cachée, mais on voit justement qu'elle est insérée et qui devient le cristal central. Et au final, on sait que du coup le geôlier veut que Sylvanas persuade Anduin avec les mots ou avec la force. Et du coup, il y a un nouvel entretien. Donc il y en aura eu plusieurs de discussions entre Anduin et Sylvanas. Et cette fois, eh bien, Sylvanas est dos au mur. Elle ne peut plus lui laisser de temps. Hein. Le geôlier vient lui dire écoute, c'est bon, j'ai suffisamment entendu. Maintenant, c'est l'heure. Donc c'est l'heure. Anduin nous rejoint. De gré ou de force, mais il nous rejoint. Donc. Sylvanas essaye encore une fois, on sent qu'elle doute elle-même. Hein. Ça c'est aussi intéressant, c'est que Anduin pour elle, Anduin a toujours été, même limite Sylvanas s'est toujours foutu de sa tronche parce que Anduin est tellement dans l'idée de vouloir, malgré les apparences, malgré tout, essayer de trouver du bon dans les gens, que Sylvanas ça l'a toujours fait rire et ça l'a même énervé parfois de voir cette insouciance qui lui donne envie de vomir. Mais d'un autre côté, ça lui a créé aussi ce lien, cette affection à l'égard d'Anduin. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que presque elle se projette dans Anduin en voyant son ancienne elle, son plus naïf, plus jeune. Et du coup, elle a envie de tuer, on va dire, cette partie-là, parce que ça justifierait tous les actes, toutes les saloperies qu'elle a pu faire avant, en fait. Donc, elle essaye jusqu'au dernier moment, elle essaye Je vous le demande, Tank. Elle essaye de le convaincre. Et là, on le voit d'ailleurs une dernière fois. Je dois essayer de vous convaincre. Et Anduin, bah, la perce à jour aussi. Rejoignez notre cause ou devenez esclave. Vous parlez d'un choix. Ça m'a fait rire. Tu me parlais d'un choix. Encore une fois, hein, l'idée du libre arbitre aussi. Est-ce que c'est vraiment un choix Est-ce que c'est un choix tu sers ou la mort. Bon, c'est pas vraiment un choix non plus. Malgré toutes vos ambitions. Une part de votre mortalité vous hante encore. Voilà, ce que je viens d'évoquer est quand même pas mal illustré là-dessus. Comme si la reine... Pareil, c'est con, hein, mais les gestes physiques, et c'est là où on voit que la cinématique est superbe aussi. Les cinématiques, dès que le joueur est pas là, elles sont d'une meilleure structure, d'une meilleure construction, elles sont faites à l'ancienne. Et le regard, les yeux, vous savez, qui partent... Je sais pas si vous avez déjà vu la série Lie to Me, qui est assez intéressante pour la gestuelle corporelle, mais le fait qu'elle mette ses yeux justement vers le bas, c'est que... Ça a touché, on va dire. Ça a touché. Point sensible a été touché. Elle se cache un petit peu. Elle se dérobe le regard, hein, directement. Elle dérobe son regard. Donc ça veut dire que Anduin tape juste. Et le général des forestiers. Taisez-vous. Et là, voilà. Sylvanas, dès qu'une de ses faiblesses est mise, ça l'énerve. Je directement, comprends. Elle lui dit de se taire. Quoi Anduin, justement, il sait qu'il a touché, donc il continue. Ici. Pourquoi vous avez tout fait pour me convaincre? En parvenant à me faire perdre espoir. Vous pourrez en faire de même. Assez. Voilà, et elle s'énerve. Sylvanas, ça a toujours été aussi un petit peu compliqué à ce niveau-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ses détracteurs, comme ses fanatiques, ont souvent dit que Sylvanas est très calculatrice, très posée, etc. Et d'un autre côté, par exemple, la BFA, quand elle perdait le contrôle, certains disaient, oui, enfin, elle s'énerve, c'est n'importe quoi, elle faisait pas ça. En fait, Sylvanas, ça a toujours été les deux. Hein. Ça a toujours été à la fois dans le contrôle, mais dès qu'elle perd un peu le contrôle, elle s'énerve. Elle est à la fois très émotive et très froide et très calculatrice. Ce qui n'est pas forcément ambivalent, c'est même assez... de base, elle est froide et calculatrice, et dès que quelque chose lui échappe, elle s'énerve. Et c'est une banshee, hein, c'est le cri, tout ça, tout ça. Donc c'est pas étonnant. Là, c'est le plan, évidemment, qui est iconique. Quand elle s'énerve, elle va prendre sa posture. Et ça, vous pouvez faire un plan contre-plongé. Enfin, vous pouvez copier les deux images. Ça, c'est la posture d'Arthas dans Hotelka. Vous savez, quand il met Frostborn comme ça pour ramener Syndragosa, c'est littéralement la même pose. Et si vous l'avez pas encore comprise, on vous la met en plan. Les devs ont tellement été... Là, on se rend des gosses qui jouent, parce que Charlemagne, c'est l'une des épées les plus emblématiques de la licence. Frostmourne, c'est LA l'épée la plus emblématique de la licence. Et on a ensuite Ashbringer, que j'aime ou que j'aime pas, c'est l'une des épées les plus emblématiques aussi de la licence. Du coup, là, t'as presque une fusion des trois, avec Charlemagne, qui se frostmournise, donc on a une espèce de Charlemagne, comme la communauté aime bien l'appeler, avec une espèce de cœur, pas des narus, hein, mais cette fois un cœur de l'antre, qui alimente l'épée. Donc, c'est... Là, ils en sont très fiers, ils nous font... plusieurs plans de caméra en mode regardez, c'est la pose de Wotelka. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Anduin n'est pas choqué par l'apparence de l'arme. Soumettez-vous, vous ne faites que vous compliquer.
Mais ça, c'est pareil. Là, on a dans la projection entre Sylvanas Anduin, c'est encore pire, c'est encore plus appuyé. C'est presque une Frostmourne. Et rappelons-le, c'est Frostmourne qui a empalé Sylvanas et qui l'a transformé en Banshee. Sauf qu'elle pourrait l'empaler directement, elle le fait pas. Je ne suis pas de cet avis. Et voilà, Anduin lui rappelle, mais tu pourrais me tuer. Tu pourrais me tuer maintenant, me forcer à le faire, et pourtant tu hésites encore. Qui détenait le pouvoir? Mais qu'en ferez-vous? Je ne peux pas me permettre de faiblir. Alors ça, c'est super intéressant aussi. C'est que là, on voit que Sylvanas, là, elle vient d'affirmer qu'elle doutait. Mais le truc, c'est qu'elle fait un récap de tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est morte vivante. Et elle peut pas avoir fait tout ça pour rien. C'est pas possible juste pour libérer Anduin maintenant. Elle a fait beaucoup trop de choses entre Teldrassil, tous les morts qu'elle a pu faire, que ce soit Elfe de la Nuit à BFA, ou la pléthore d'humains avant, entre War 3 et Wovania. Elle a tué tellement de monde qu'elle peut pas avoir fait tout ça aussi pour rien. Elle a fait des sacrifices. Bon, après, ces mecs-là s'en foutent un peu, mais il y en a d'autres aussi qu'elle a sacrifiés. Dans ses propres gardes principaux et autres, elle peut pas avoir fait tout ça pour rien. Même Nathanos au final a perdu la vie, même si bon, on sait pas encore où il est, mais il est probablement dans l'antre, il a perdu la vie aussi, donc ça veut dire qu'elle a aussi un peu sacrifié Nathanos. Alors, pourquoi hésiter? Voilà, et Anduin lui rappelle, bah si tu peux m'empaler, c'est bon et c'est fini. Décidez-vous, Sylvanas Courcevent. Alors, ça se termine là-dessus. Il y a de très grandes chances qu'à la BlizzCon, qui arrive dans à peu près un mois, on ait la conclusion de ce cliffhanger, hein, de cette fin sans avoir vraiment de réponse. Il est fort probable qu'on ait la fin. Alors, est-ce qu'elle va transformer Anduin ou est-ce qu'elle va libérer Anduin et se directement trahir maintenant le geôlier? Ça, ça va être intéressant. Moi, on sent quand même que Blizzard, j'ai l'impression, a un plan. Et pour revenir sur Arthas, vous allez comprendre pourquoi au début de la vidéo, je vous ai dit ça. Bon là, je pense que maintenant vous comprenez aussi tous les parallèles avec Arthas, mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que un jeune prince humain assez naïf, idéaliste, qui veut la sauvegarde de son peuple, etc., qui petit à petit est manipulé par des forces de la mort plus puissantes, qui essayent de le faire passer du côté obscur et qui vont en faire leur champion, bah ça a déjà existé et c'est le personnage préféré de tous les de la franchise Warcraft, c'est Arthas. Et j'ai l'impression au final que c'est la direction que veut faire, alors pas de la même manière, pas le même chemin, etc., mais il y a quand même un chemin assez proche entre Anduin et Arthas. Faut pas dire que ouais, c'est du plagiat, ils se replagient eux-mêmes, ils n'ont pas d'inspiration, tout ça. Non, c'est assez intéressant, surtout que ça s'est vraiment fait progressivement, tranquillement sur la durée, et j'ai l'impression que petit à petit, Anduin glisse vers le côté obscur, mais tellement tranquillement que la construction du personnage est vraiment bien faite, très réaliste, très cohérente à ce niveau-là. Donc j'ai l'impression que Blizzard veut nous amener là, peut-être pas forcément dans Shadowlands, mais peut-être dans une extension, et c'est aussi un des fantasmes de la plupart des fans, un Anduin, et cette fois qui serait pas par exemple de la mort comme Arthas, mais un Anduin du vide, et que petit à petit on y amène. Dans Shadow Rising, il y a un petit truc aussi qui pourrait évoquer ça, donc c'est peut-être petit à petit, avec toutes ces épreuves, eh bien, il va commencer à glisser peut-être le petit Anduin. Mais bon, en dehors de ça, la conclusion de cette cinématique, il faut mettre un peu de contexte aussi. En fait, c'est encore une fois une vision de Bolvar, comme je disais en début de vidéo, mais il va se faire éjecter. Il va se faire éjecter par le geôlier. Donc ça veut dire que le geôlier assiste aussi très probablement à ça. En tout cas, il sent l'intrusion de Bolvar, ex-roi Lich, et là, il dégage, et notamment avec les chaînes, encore une fois, la référence aussi à Wotelka, il dégage avec les chaînes, et il prend Bolvar sous limite, il est presque à deux doigts de l'attirer. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a une discussion entre Bolvar et le geôlier, où le geôlier lui dit « Mec, tu dégages, t'as plus rien à faire avec moi », et il évoque le fait que toi, comme tes prédécesseurs, vous n'étiez que des imparfaits, vous êtes des échecs. En gros, vous êtes des échecs, vous n'avez jamais réussi à faire en sorte que mon plan se réalise. Et ça, c'est super intéressant. C'était quelque chose qu'on avait déjà évoqué avec la version collector que j'avais avec l'artbook. On nous disait que les ex-geôliers, le roi Lich avait contrecarré les plans du geôlier, et potentiellement les anciens aussi. Et là, on a une confirmation. Donc, Ner'zhul, le premier roi Lich, Arthas, puis donc Bolvar, les trois ont résisté au geôlier. Alors ce qui est un peu à la fois dommage et intéressant, c'est que pour le moment, il parle bien des prédécesseurs, donc ça englobe Ner'zhul, mais juste après, il y a des discussions avec Kalia, etc., et on nous parle de Bolvar, on nous parle d'Arthas, mais on nous parle pas de Ner'zhul. Ce qui est à la fois chiant et compréhensible, peut-être que justement tout le lien Ner'zhul-geôlier se fera plus tard,
Plus on va avancer dans Shadowlands, plus les mystères seront dévoilés. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, on va plutôt y aller tranquillement, étape par étape, en remontant dans le temps. Mais là, pour le moment, c'est vraiment Bolvar Arthas. Sauf que bah, je rappelle que Ner'zhul, si vous avez vu la vidéo sur la guerre de l'araignée et les vidéos sur War 3, vous savez que le Ner'zhul a toujours voulu se libérer lui aussi de ses... Bah, ça a toujours été un pion et il a toujours voulu dépasser cette condition. À la base, c'était contre la Légion Ardente. Mais ce serait tout à fait raccord de dire qu'il s'est libéré de la Légion Ardente et du geôlier. Donc ça pourrait... En tout cas, là, on a la confirmation. Tous les rois liches ont résisté à l'influence du geôlier. Donc ça pourrait permettre aussi de rendre un peu plus cohérent Wotelka qui, si, sans ça, a beaucoup de problèmes. Donc ça justifierait énormément d'erreurs de scénario, etc. de Wotelka. Alors ça ne pardonnerait pas le fait que Wotelka a fait n'importe quoi, mais au moins il y aurait moyen de corriger ça en mode bah, pourquoi Arthas a retenu son bras, etc. Wotelka, pourquoi il branle rien pendant qu'il y a le tournoi d'argent, pourquoi il branle rien pendant qu'il y a eu le Duar, pourquoi il branle rien pendant le siège d'Undercity pour reprendre ses positions. Bah ça expliquerait peut-être qu'il essaye de résister à l'influence du geôlier, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose comme on en parle depuis des mois. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant, et aussi, on y reviendra, je vais faire aussi une petite parenthèse, vers une transition vers la vidéo sur Kel'Thuzad qui va arriver, que j'analyserai. On sait que Kel'Thuzad est en mouvement, et on sait qu'il ne va pas être fracassé comme ça a été le cas à Vanilla et à Wotelka. Donc les anciens agents des Rois Liches, etc. sont en mouvement, et il semble y avoir quelque chose de très bien écrit, très bien ficelé, donc bah, ça me fait plaisir. J'ai encore vraiment peur pour Ner'zhul, parce que comme là, il aurait dû être évoqué au moins un minimum quand même. Même si bon, il est évoqué de manière sous-jacente, il aurait dû être explicitement évoqué. J'espère que ce sera le cas après. Mais c'est assez bien fait et j'ai franchement, je me régale, je dévore d'impatience les prochaines cinématiques, parce que enfin les prochaines avancées de l'heure, parce que pour le moment, on sent un énorme respect à Warcraft 3, au personnage de Sylvanas. Et bah, plus qu'à attendre la trahison. Il y a de grandes chances quand même que Sylvanas, pour faire plaisir aux joueurs, on lui fracasse la tête. Un petit peu l'image de Jaina à BFA, c'est une demande depuis très longtemps des joueurs. Et après BFA, il y a de fortes chances qu'il y ait un raid où on explose Sylvanas. Mais que Sylvanas s'en sorte. Un petit peu l'image d'Ashara en fait dans BFA. C'est-à-dire que Sylvanas, on va la fracasser. Elle va soit se libérer, soit se barrer, soit par exemple le geôlier va la ramener. Et ensuite, elle trahira un petit peu l'image d'Ashara, elle trahira son ancien maître. Alors peut-être que certains diraient ah « Ouais, ça fait écho, c'est chiant. » Ouais, mais c'est logique en fait, ce serait logique. Et qu'un personnage comme Ashara et Sylvanas soient au final des méchants, mais des méchants, le mal nécessaire qui nous permettent de vaincre quelque chose de beaucoup plus puissant. Moi, je préfère ça à du Safari façon Burning Crusade et Wotelka, hein, on va pas se mentir. Donc... Sylvanas, encore une fois, je le dis, je le redis, je le re-redis, je pense que sa fin sera douce amère, en mode, elle va probablement accomplir ce qu'elle a voulu, se libérer, etc. Elle va probablement soit mourir, soit être en pause scénaristique façon Illidan, en mode, bah, soit elle devient un geôlier, soit elle devient un nouveau roi liche, soit elle est juste bah, tuée et elle va se reposer dans les terres d'ombre. Mais il y a de grandes chances que l'arc Sylvanas se termine à Shadowlands. En mort définitive ou temporaire, mais il y a de grandes chances que ça s'arrête là-dessus, et je pense qu'un petit peu à l'image d'une Kerrigan, elle est une fin pas rédemptrice parce que ce serait trop facile, mais qu'elle aide aussi le bien commun, on va dire, qu'elle aide le commun des mortels tout en cédant avant tout elle-même, parce que ça reste un personnage très égocentrique comme on le disait. Donc voilà pour cette vidéo, il est fort probable que j'ai oublié certains éléments que je mettrai peut-être dans les commentaires en description, donc checkez les commentaires et n'hésitez pas d'ailleurs à réagir si jamais cette analyse vous a plu. Je suis impatient de faire une vidéo sur Kel'Thuzad, comme je le disais, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un arc qui me régale. J'avais énormément de peur autour de ce personnage et finalement, et ben c'est très bien pour le moment ce qu'ils ont fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Si vous avez des commentaires, des questions ou des choses, des points par exemple que j'aurais pas forcément relevé, ben, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir aussi de débattre dans les commentaires tant que c'est avec respect. Et si vous avez écouté la vidéo aussi, parce que bon, si y a des points que vous savez pas écouter, ben, c'est dommage. Donc plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus et dans l'antre également. Parce qu'il se passe pas mal de choses dans l'antre au final. N'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez liker la vidéo. Ça m'aide pas mal. Vous pouvez également partager. Vous pouvez également commenter, comme je l'ai déjà dit. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter. Il y a le site également, avec le planning de stream, etc. Un bisou.